Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci d'assister à ces différents contenus sur vidéo qu'on capte pour vous. Aujourd'hui, on va parler de mentorat en économie sociale. Ces capsules-là font partie d'une série qu'on veut mettre en ligne sur notre chaîne YouTube tout au long de l'automne 2019. On capte aujourd'hui dans un merveilleux lieu qui s'appelle La Factory. La Factory, c'est une école de créativité qui nous reçoit. Et en plus, ils ont la gentillesse de nous offrir un taux préférentiel pour les gestionnaires d'OBNL du réseau d'espace OBNL. Aujourd'hui, on va commencer la capsule 1 de 3 sur le mentorat en économie sociale. On va parler principalement de mentorat individuel, mais avant tout, j'aimerais ça vous présenter la personne que je reçois aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour Stéphane. Je vous présente François Caron. François, je vais te laisser te présenter pendant 2 minutes pour le bienfait de ceux qui écoutent. Ça va m'éviter de faire les notes biographiques que tout le monde connaît. Alors, bonjour tout le monde. François Caron, je suis retraité bénévole à plein temps depuis presque 4 ans. J'ai eu 40 ans de travail avant et dans la grosse entreprise, j'étais en marketing et tout ça, mais j'ai fini ma carrière dans le domaine des organismes à but non lucratif avec Cyclochrome qui répare les bixis de Montréal puis qui a une mission de l'autodécrochage scolaire. Et depuis 2 ans, je suis chef mentor pour l'économie sociale pour la région de Montréal et Laval. Donc, tu es un ancien gestionnaire d'OBNL à la base aussi. Je suis un ancien gestionnaire d'OBNL. Et un ancien gestionnaire de PME aussi. Exactement. T'as vu les non, deux... de grosses entreprises. De grosses aussi, entreprises. Ouais. Vidéotron, Métro Richelieu, okay, etc. Tu as vu les différentes facettes de la médaille. Exactement, exactement. En guise d'introduction, j'aimerais ça qu'on parle pour cette capsule-là d'économie sociale, un peu moins, mais surtout de mentorat individuel. Ouais. C'est quoi le mentorat, François? Écoute, un gestionnaire, un DG, OK, a besoin de 3 choses pour opérer. Il a besoin de la première chose, c'est le savoir, OK? La deuxième chose, c'est le savoir-faire. La troisième chose, c'est le savoir-être. Le savoir, on l'obtient par des cours qu'on a eus, par notre université, par l'expérience et tout ça. Le savoir-faire, on l'a par savoir-faire, c'est-à-dire comment je fais un cash flow, comment je fais une politique de ressources humaines, etc., etc. Ça, on le fait, puis on a de l'aide à certains moments donnés pour le faire. Le savoir-être, c'est autre chose. Le savoir-être, c'est comment je réagis. Une entreprise, peu importe quelle qu'elle soit, qu'elle soit une EBNL, qu'elle soit une coop, ou qu'elle soit une PME ou une entreprise traditionnelle, c'est formé d'une chose, des êtres humains. Ouais, OK? Et c'est les êtres humains qui sont touchés par le savoir-être. C'est toute l'interaction aussi. Puis, ce savoir-être-là, comment on le cultive dans le mentorat? On le cultive dans le mentorat. Il faut dire que le mentor, OK, le mentor est celui qui est, dans le fond, un peu le catalyseur d'une relation, OK? Quand un mentor, on appelle ça une dyade, mentor-mentoré. Et non pas un couple, ou pas un duo. Et non pas un couple, effectivement, c'est plus. Ça. On essaye que dans la dyade, le mentor ne soit pas obligatoirement dans le même secteur d'activité, parce que ça donne une autre perspective. Et le mentor a une qualité, c'est qu'il a 2 oreilles puis une bouche. 2 fois plus d'oreilles que de bouche. Okay? Comme un vendeur. Exactement, c'est ça. Mais il n'y a rien à vendre. Okay? Alors, le mentor, il est bénévole. Le mentor, il est là pour amener le mentoré à réfléchir sur les problématiques qu'il vit, sur les problématiques de relations humaines qu'il vit, etc., etc. Et ce que je m'aperçois, parce que j'ai eu pas mal d'expérience et en discutant avec d'autres mentors, c'est que quand tu es mentoré, quand tu es DG d'un organisme, la première chose que tu as, c'est que tu es tout seul. Okay? Quand tu passes au travers d'une situation difficile, bien souvent, tu peux pas en parler à ton équipe. Ta conjointe ou ton conjoint ne veut plus n'entendre parler, OK? Tu as besoin, à un moment donné, d'une oreille qui est confidentielle aussi en plus, OK? Et c'est là où le mentor rentre en ligne de compte. Et autre chose aussi, quand un DG a une problématique, souvent, la solution à cette problématique-là est dans une cellule en arrière du cerveau, mais le DG s'en aperçoit pas. L'idée du mentor, c'est que au fur et à mesure des questions, avec l'expérience qu'il a, c'est d'amener le mentoré à trouver lui-même ses solutions. Alors, c'est dans comment ça. Parce que beaucoup de gens qui font le mélange entre le mentorat et le coaching, oui.
Puis, tu peux-tu démystifier les deux un peu là, pour qu'on puisse se placer? Je vous parlais de savoir-être et de savoir-faire, OK? Savoir-faire, OK? Savoir-faire, c'est du coaching. Savoir-faire, c'est j'ai besoin de quelqu'un en comptabilité, OK, qui va pouvoir m'aider. Souvent, c'est payant, OK? Le coach est rémunéré. T'as une dynamique, c'est ça. Il y a une dynamique, il y a un contrat, c'est ça. Il y a des coachs aussi dans certains organismes qui sont bénévoles aussi en plus. Mais c'est vraiment sur comment j'opère, OK? Comment je gère mes ressources humaines, etc. Le mentorat est différent. Le mentorat, c'est comment je... Un OBNL, c'est un CA, OK? Il y a une dynamique qui se fait entre le CA et la direction générale. C'est pas toujours... Même si le CA est supposé être l'outil primordial d'un OBNL, souvent, il y a des problématiques humaines qui sont en ligne de compte. Il y a des problématiques humaines avec des employés. Il y a des problématiques humaines avec tout ce qui s'appelle dynamique politique. Okay? Alors, comment je réagis en tant qu'être humain vis-à-vis de ces problématiques-là? C'est là où le mentor entre en ligne de compte. C'est un paquet de sujets différents, puis nous, comme mentors, on est formés pour ça. On a de la formation continue au niveau du Réseau M qui existe depuis plus de 30 ans. Madame, c'est quoi le Réseau M exactement? Réseau M, c'est une ressource mentorale, OK, partout au Québec, et qui est impliquée aussi, qui a aussi des assises en France aussi. Le Réseau M, ce sont des mentors qui sont formés, qui sont accrédités pour pouvoir suivre. Pour les plus jeunes comme moi, c'est l'ancienne fondation de l'entrepreneurship. Exactement. C'est donné une vocation plus précise maintenant, mais uniquement au niveau du mentorat. Maintenant que le Réseau M est propulsé par la fondation de l'entrepreneurship. Je comprends. Terme marketing. honnêtement, c'est intéressant, mais je voulais justement te poser la question, qui peut être mentoré? Bien, ceux qui sont en premier lieu, ce sont les DG, OK? C'est aussi au niveau des entreprises, des OBNL qui sont des startups, c'est-à-dire qui sont dans leur première année d'opération, les DG qui sont rémunérés par l'OBNL à ce moment-là. Donc, on n'a pas nécessairement de bénévoles qui sont dans des processus de mentorat. Non, effectivement. Effectivement. Okay. Ça, c'est important. Je pense que c'est assez important aussi. Tes mentors n'ont pas des millions, j'imagine. Comment on les sélectionne? Comment on les choisit? Puis d'où ils viennent, ces gens-là? Bien, je dois dire qu'on est en train de développer, je te parle au niveau de mon expérience de Montréal et Laval, on est rendu à 16 mentors présentement. Il y en a deux autres qui vont se rajouter. Ils ont combien de mentorés chacun, à peu près? Entre deux et cinq, okay? OK? C'est ça, c'est des gens qui sont ou retraités ou à la fin de leur période de travail, là, et qui sont prêts à redonner à la société ce qu'ils ont acquis. Ces mentors-là, on les choisit, OK? On fait des campagnes de recrutement, on a des références aussi en plus. Et on les choisit en fonction de leur expérience, parce qu'ils doivent venir effectivement du milieu des OBNL et de l'économie sociale, mais on les choisit aussi en fonction de leur qualité individuelle. Quand je disais tantôt que ça prend deux oreilles puis une bouche, c'est pas donné à tout le monde d'écouter et de prendre du recul pour pouvoir faire avancer quelqu'un d'autre, OK? Alors, tous ces gens-là, puis on les prend par la main dès le début, par un cours de formation. Le mentorat, c'est pour moi, OK, où on démystifie le mentorat, où on les fait pratiquer sur le mentorat aussi en plus. Alors après cette formation-là, s'ils ont passé cette formation-là, il y a d'autres formations subséquentes. Et c'est de la formation continue. Ça nous permet à ce moment-là, comme mentor, d'apprendre des autres mentors. Puis je dois vous dire aussi que au niveau de la formation, c'est pas juste la formation en économie sociale. Les mentors qui sont aux formations, on échange économie sociale et économie traditionnelle. L'être humain, ça reste un être humain, peu importe dans quelle situation il est. Ouais. OK? Alors, c'est vraiment très bon. Puis, il y a une autre chose aussi, c'est qu'on est en train de démystifier tout ce qui s'appelle OBNL, tout ce qui s'appelle coop auprès des gens d'économie traditionnelle. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un défi que je me suis donné. Parce que là, on va peut-être passer rapidement, là, mais tu parles d'économie sociale principalement. Pour ceux qui s'intéressent, on a un autre contenu de 45 minutes avec une autre personne où on fait la démystification de l'économie sociale et de l'action communautaire. Là, vous pourrez aller voir sur la chaîne YouTube. Là, on va vraiment établir un peu plus. Là.
Mais dans l'OBNL et dans la coop, l'économie sociale, c'est un secteur, au-delà d'être un secteur, c'est un principe qu'on tend à encourager puis à supporter dans l'ensemble de l'équation économique québécoise. Exactement. Je pense que c'est important de prendre deux secondes, juste que tu me parles un petit peu du type d'organisation dont les DG que vous avez comme mentorés viennent. Mm-hmm. Puis un petit peu aussi la diversification. Parce que dans beaucoup de cas, certains d'entre vous, à l'écouter cette capsule-là, vous allez vous demander, bon, c'est-tu pour moi? Je suis en tourisme, je travaille dans un musée, je suis à la tête d'une chambre de commerce. La portion OBNL, même pour les gestionnaires, n'est pas toujours très évidente de comprendre, de démystifier tout ça. Oui. Je peux parler de mon expérience personnelle. Oui. J'ai, premièrement, je peux. Il y a certains OBNL où je ne peux pas parler de mon expérience parce qu'on est lié sur le coup du secret. C'est, mais certains OBNL, on accepte qu'on les mentionne. Par exemple, j'ai comme mentoré le DG de la coop des profs de musique de Montréal, okay, qui est rendu une grosse coop qui regroupe tous les professeurs de musique de Montréal. Et c'est un mentoré aussi depuis plusieurs années. L'économie sociale, c'est beau. Oui. Mais tous les secteurs qu'on peut revoir des mentorés, ça représente quoi dans ton quotidien? Il y a énormément de secteurs qu'on couvre. On couvre tout le secteur de l'alimentation. On couvre l'alimentaire. On couvre le développement international, entre autres, OK? Des OBNL qui sont spécialisés là-dedans. On couvre à peu près tous les secteurs présentement où il y a des nouvelles entreprises d'économie sociale qui sont montées. Des nouvelles et des vieilles aussi, des anciennes. Puis il faut pas oublier aussi que il y a tout le processus de relève. On s'aperçoit beaucoup aussi que dans les OBNL présentement, Il y a une absence de processus de relève, effectivement, et c'est capital, OK? C'est capital pour la survie de l'entreprise, OK? Puis c'est capital aussi pour la survie de la mission en bout de ligne. Est-ce que les processus de mentorat font bonne équipe avec les processus d'Emploi Québec au niveau de la relève? Je vais poser la question autrement. Dans les processus de relève, on a souvent une implication financière d'Emploi Québec. Oui. Est-ce que les frais d'inscription qui sont reliés au mentorat, parce que, disons-le, c'est pas gratuit, là, peut-être, on n'ira pas dans les coûts parce que ça peut changer par région, là, mais au moins, on peut dire que c'est pas des processus qui sont gratuits. C'est pas des processus qui sont gratuits, puis je pense que c'est important aussi. Il faut préciser que les mentors sont bénévoles, comme je le disais tantôt, et c'est un processus qui demande une structure administrative aussi. Tu parlais de la Fondation d'entrepreneurship, entre autres, qui supporte au niveau de toute la province de Québec tout ce qui s'appelle mentorat. Il y a des frais annuels ou mensuels suivant les régions qui sont faites, mais dans certaines régions, il y a du financement aussi pour la première année de mentorat qui est fait. Alors, c'est juste d'aller vérifier auprès sur le site du réseau M, tout simplement, là, toutes les régions sont c'est là. C'est pas uniforme, nécessairement. C'est pas uniforme, c'est ça, mais effectivement, il y a certains frais. Là. C'est quoi les ingrédients de succès dans une relation mentoré-mentor? Premièrement, c'est un grand mot. On parle de chimie entre le mentoré et le mentor. On parle de respect mutuel aussi en plus. On parle d'attitude du mentor versus le mentoré. Ok. Faut dire que le mentor ne doit pas parler pour le mentoré. Le mentor, c'est pas lui qui amène les solutions au mentoré. C'est le mentoré qui doit trouver lui-même ses solutions. Par le processus encore là, de différence avec le coaching. Exactement, c'est ça. OK? Et autre chose aussi, le mentor doit, en bout de ligne aussi, avoir autant de bénéfices que le mentoré. OK? Quand on est en relation mentorale, mentoré, OK? Ce qu'acquiert le mentoré, le mentor en acquiert aussi. OK? D'où le bonheur d'arriver à ce que notre mentoré puisse évoluer, OK? Dans une relation, il y a une chose importante à dire. La personne responsable de la relation mentor, de la diable, de la relation mentor-mentoré, c'est le mentoré. C'est lui qui décide. C'est quoi un bon mentoré, là? C'est quoi sa responsabilité, là? C'est lui qui décide
de la fréquence. Au début, souvent, on va se voir à tous les 3 semaines ou à tous les mois, OK? C'est le mentoré qui décide de la fréquence. C'est le mentoré qui décide des sujets. Nous, on a des outils pour suivre chacune des sessions qu'on a ensemble. La session mentor-mentoré peut durer une heure et demie à peu près. On essaie que ça se fasse en dehors du milieu de travail pour que ça soit plus confidentiel le plus possible. Et c'est le mentoré qui décide. Puis à un moment donné, une relation mentorée, mentor-mentoré peut durer 1 an, peut durer 2 ans. Et c'est le c'est mutuellement à un moment donné, plus longtemps que ça aussi, mais ça peut durer moins longtemps aussi. Parce qu'à un moment donné, un mentoré peut dire au bout de 8 mois, j'ai pas d'atome crochu, OK? J'ai de la misère à m'ouvrir avec cette personne-là. J'aurais besoin de quelqu'un d'autre. Des fois, ça arrive à la première rencontre. Des fois, ça arrive à la première rencontre, effectivement. Ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé. Oh, oui. Je sais que t'as été mentoré, toi aussi. Je suis encore. Tu l'es encore, c'est ça. Alors, ça arrive. Et c'est aussi toute la dynamique humaine qui rentre en ligne de compte. C'est beaucoup d'humain, hein, la relation de mentor-mentoré, là. Puis, cet aspect humain-là, on l'oublie souvent. On la met de côté, elle nous gruge par en dedans, puis on a tendance à la mettre de côté, puis à penser que ça va se régler tout seul. Oui. Je pense qu'il y a un petit peu, pour cette série des 3 capsules-là, je te dirais, un des objectifs en arrière de ma tête autour de ça, c'est un peu ça, c'est de dire qu'il existe des outils pour un peu aider à sortir ce qui nous angoisse, ce qui nous cause problématique. T'sais, on commence, moi le premier, j'essaie de plus en plus de sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale à travers les différents gestionnaires. Il y a des problèmes plus graves, dépression, ainsi de suite, mais il y a des stress, il y a des anxiétés, il y a de la pression qui vient avec ce type de travail-là. Puis je pense que c'est important qu'au-delà des formations puis des autres types de solutions qu'on peut mettre en place chez Espace OBNL, qu'on puisse être capable de présenter certains services qui existent. Le mentorat en est un. C'est quelque chose dans lequel nous, on ne s'embarquera jamais parce que c'est une logistique. Mm-hmm. C'est quelque chose d'énorme, ce que le réseau M fait, là. Puis je trouve important qu'on puisse avoir de l'information puis qu'on puisse aussi être capable de démystifier le processus. Je peux te donner un exemple concret, OK? Tout DG va te raconter que souvent, quand dans des périodes difficiles, à 2 heures du matin, le hamster tourne puis il n'est pas capable de dormir pendant la nuit. Ça reste un intrapreneur. Hein? Ça reste un intrapreneur, effectivement. Puis, cette personne-là, dans une relation de coaching, le coach va dire, OK, là, tu as des problèmes de cash flow. Pourquoi tu as des problèmes de cash flow? Comment tu suis ton cash flow, etc. Au niveau du mentorat, c'est plus profond que ça. C'est dire, OK, tu as des problématiques, OK? En dessous de cette problématique-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tu as... C'est quasiment un psychologue. C'est pas un psychologue, c'est un... J'aime pas dire que c'est un psychologue parce que c'est vraiment... Disons-le que c'est pas un, c'est important. C'est une relation humaine, OK? Puis c'est une relation de personne qui a eu une certaine expérience, qui a vécu des choses. Parce que à certains moments donnés, oui, quand on a fini de discuter avec le mentoré, on peut arriver et dire, regarde, j'ai vécu une expérience dans ce style-là. Moi, comment j'ai géré ça? Mais toi, tu gères ça. Tu vas le gérer à ta façon. Tout ce que je veux, c'est que tu puisses réfléchir sur c'est quoi ton vrai problème en bout de ligne, tu sais? Puis comment tu vas l'attaquer, ce vrai problème-là? T'sais? Tu te lèves à 2 heures du matin. Est-ce que c'est parce que tu as un manque de confiance en toi? Est-ce que c'est parce que tu as un manque de confiance en ton équipe? Est-ce qu'il y a une problématique avec ton CEO ou quelque chose du genre qui t'amène à oublier des choses prioritaires? T'sais? Alors, c'est tout ça en même temps. Parce que ce que j'entends, puis ce que je sais du mentorat aussi, quand on arrive à un certain niveau, au-delà de la solitude, on se trouve à avoir à gérer certaines choses qu'on n'avait pas à gérer avant. Je m'explique. L'exemple traditionnel que je donne souvent, c'est l'ancienne directrice des communications qui devient DG. Oui. Ben, ça fait 10 ans qu'elle est dans l'organisation. Quand on la met en poste, cette personne-là, maintenant, elle n'est plus dans le quotidien de faire des publications Facebook, de mettre son jour sur son site Internet. Ce qu'elle doit interagir, c'est avec un conseil d'administration composé d'humains. Elle a affaire à une clientèle, elle a affaire à des employés. Oui, on appelle ça les RH, mais dans ces RH-là, il y a toute une dynamique politique, il y a une dynamique de jus de coulisses, il y a une dynamique d'agenda, il y a une dynamique de compréhension, de délicatesse, de diplomatie.
dans lequel moi, je ne suis pas nécessairement à l'aise, mais je sais qu'il y a des gens qui performent très bien. Fait que le mentorat peut aussi faire partie des outils pour aller améliorer ces compétences-là. Mm-hmm. Pas nécessairement les apprendre, parce que tu l'as dit, c'est du savoir-être, c'est dur apprendre, mm-hmm. mais au moins d'être capable de mettre le doigt sur certains des c'est bobos aussi. J'aimerais ça aussi regarder avec toi un DG là, qui veut être mentoré, là, mais pas nécessairement en économie sociale. Mm-hmm. Tu sais, encore là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le système, qui ne conviennent pas aux normes de l'économie sociale traditionnelle. C'est quoi les ressources qu'ils ont pour le mentorat? Écoutez, premièrement, un DG, s'il veut explorer ce que c'est que le mentorat, peut remplir un formulaire sur le site du réseau M. Et à ce moment-là, moi, du côté de Montréal, comme chef mentor, je rencontre ces gens-là pour voir quels sont les besoins, puis pouvoir les orienter à certains moments donnés. Souvent, tu t'aperçois que ces gens-là veulent avoir du mentorat, mais c'est pas du mentorat qu'ils ont besoin, c'est du coaching, OK? T'sais? Alors, au fur et à mesure de la rencontre, puis des discussions, de la première discussion avec cette personne-là, je peux l'orienter, je peux lui dire, OK, parfait, c'est du mentorat que tu as besoin, OK? Puis on est en train d'évoluer aussi, en plus, on parlait de start-up tantôt, historiquement, beaucoup de mentors ne voulaient pas travailler avec des startups, OK? Parce que tu sais pas où est-ce que ça s'en va et tout ça, c'est des jeunes, ils savent pas trop quels sont leurs besoins. Mais présentement, on a une formation au niveau du mentorat de startups, c'est-à-dire de zéro à un an d'existence. Alors, il y a plein de choses qui évoluent présentement. Okay? Je pense qu'en même temps, pour finir la capsule, puis en même temps, introduire les deux autres qui s'en viennent, c'est important de parler des deux autres produits, qui est le mentorat de groupe. Ouais. Dont on va parler tantôt, et le mentorat en résidence. Dans les deux cas, c'est aussi des produits qui permettent aussi de faire un essai-erreur, puis de commencer à établir un peu aussi, d'apprivoiser le concept de ce que c'est le mentorat. Merci François. Ça m'a beaucoup éclairé. Donc, j'invite les gens à rejoindre le réseau M si vous avez plus de questions ou plus de besoins. Surveillez aussi les autres produits d'Espace au BNL. Bonne fin de journée.